Du coup, on va avoir un Nibonax en winner final contre Mufi. Contre Mufi format des losers. Du coup, maintenant qu'ils ont voilà, maintenant qu'ils ont mis leur casque, je vais vous le dire et là secrétaire, tu as le droit de dire que je suis un 13. Là, je suis pour Nibonax. C'est pas que j'aime pas Mufi. C'est que bon, s'il gagne 3 weekly, je me sentirai un peu con hein. Non, en vrai, je m'en fous. En vrai, je m'en fiche. Que le meilleur gagne. Ah, c'est vrai que Nibo, il joue Bayonetta. Non, en fait, je suis pour Mufi. Non, en vrai, je m'en fiche. Hein, que le meilleur gagne. Hein. D'ailleurs, fun fact, Nibodax... Nibodax, c'était lui qui avait envoyé nos deux joueurs en loser final. Sweetrom et Mufi. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Dont un c'était un ditto, Captain Flacon. Ah, bah voilà, il a glissé. Il a glissé. Genre, il voulait slide sur le sol. Mais en fait, Wario, il lui a mis un gros coup de tête. Tu dis non, tu dégages, allez, va-t'en. Ouais, les termes. YouTube, ils vont nous cancel, attention. Ah oui, parce qu'après, les BD, ça finit sur YouTube. Ah. Voilà, setup down B. Bayo, tu veux un setup, tu fais un down B, si ça marche, voilà, fais ce que tu veux. Si ça marche pas, serre-moi la main. Ouais, je reconnais ça, c'est une formule de maths, ouais. Ouais, c'est le théorème de Pythagore, ouais, je connais, ouais. Ah, ça, c'est la fonction de l'âge de zoo, ouais, je connais. Ouais, là, c'est le... Oui, j'ai reconnu, ouais. Ouais, le move qui dure 3 ans, ouais, je connais. Allez, à plus, rentre bien. Allez. Bon. Non, bah, t'as été 2 secondes dans les airs contre Bayonetta, be like. Et c'est... Ça va, Mufi, il arrive bien à SDI. Ouais, moi... Il y a des gens, par exemple, il y avait un gars qui faisait commencer le jeu, il voulait jouer contre secrétaire et tout, et en fait, il savait pas SDI, et lui, il dit, oh, quelle personne merde, alors il fallait juste SDI. Après, Bayo, c'est très compliqué. Bayo, ça joue vraiment à Bayo, hein. Ah, bon. Du coup là, plutôt il va... pas de backer. Je reconnais ça, c'est le théorème de T-Monk. Ouais. Oh il a oublié de dire banane, c'est pour ça qu'il a pas kill. Bah, théorème de T-Monk, c'est un singe, hein, forcément banane. Hein. Ah bah oui. C'est vraiment bizarre. Hein. Là c'est bon. Non mais là c'est bon, il a raté son F smash, il pouvait se faire punir avec toi et n'importe quoi. Ça y est, Mufi, il a gagné. Il peut plus rien rater. Enfin si, mais... Genre avec un waft. Ok, bah là Bayo c'est à peu près 0 throw qui kill. Je crois qu'il y a juste le backer, le jab et genre une pro. La F throw, je crois, il y a que ça qui kill. Et aussi les. Et il y a aussi les combos. Les combos Wario ça marche pas sur Bayo. Ah d'accord, ça c'est Niveau d'ex, super, non mais j'en ai marre, à chaque fois que je dis un truc, l'inverse arrive. Les combos Wario ça marche pas, et là il en fait un. Franchement, à chaque fois que je dis un truc, l'inverse arrive, hein. Ouais. Après, je vais pas vous mentir, il y a aussi la vraie raison de pourquoi je veux que Mufi perd. Absolument. C'est parce que s'il gagne, ça va reset et ça va être long. Ah ouais. Et on va encore finir à 20h30. En général, on finit pas à 20h30, mais il y a un facteur qui s'appelle Crew Battle qui a été fait, du coup... Il est 20h. Hein. Mon petit frère a essayé de m'appeler. Je vais lui envoyer un semeuseux pour lui demander ce qui se passe. Ce vol... les gars, vous avez jamais vu Wario ou quoi? Quand tu joues contre Wario, c'est 2 stocks contre... T'as genre 2 stocks en fait, hein. Et lui, il y en a 3, hein. Je joue Wario. Bah déjà, au moins... Tu acceptes que ton perso vole. Après moi je dis c'est tristement une bonne chose hein, parce que dans Smash Bros plus t'es malhonnête, enfin plus ta malhonnêteté marche, plus tu dois en profiter. Bah c'est ça quoi. Bah oui hein. Bah le Wario et Bayonetta c'est la preuve. Bon y en a c'est plus honteux que ça hein. Genre crois-moi un Kazuya qui te met un hit et que t'as perdu parce qu'il t'a mis 3 baffes. C'est pas ouf, hein, y'a mieux hein, comme ambiance. Un Mufi qui a un peu de mal, hein. Il se fait noyer par Bayo. Ah,
Et voilà. Voilà, il a fait Don't Be Auto-Victoire. Ça j'ai remarqué, c'est un truc que tous les main Bayou ils font. Hein. Bah, c'est genre, ok, l'adversaire est dans les alentours de 110%, je vais essayer de Witch Time. Bah Bayou elle peut faire un smash gratuitement. Quoi. Comme Diddy Kong. En fait, Bayou elle ne kill pas, mais son Witch Time... Bah en fait, son Witch Time, c'est l'inverse en fait. Bayou oui. Kill pas, mais elle a le Witch Time. Du coup, bah elle kill pas, mais quand même. Du coup, là, les pourcents sont even, mais du coup, pour moi, c'est even. Là, pour... Parce que là, moi, je vois Mufi avec deux stocks et Nibodax avec une stock, hein. Non, il a deux stocks, là. Ah oui, c'est vrai. Voilà, bah voilà. Non, c'est parce que t'étais pas là tout à l'heure. Là, les gens dans le chat, ils comprennent parce que je le dis. Mais toi, tu viens d'arriver, donc voilà, gros F-Smash. Le F-Smash qui couvre la roll, le jump et les get-up. Du coup, comment esquiver ça? Just wait. Sinon, le thème de Sephiroth, je sais pas qui l'a mis, hein, mais à tous les coups, c'est Nibodax. Moi, je pensais que comme c'était un grand fan de Bayou, il allait mettre une musique Bayou. Non, secrétaire, je t'aime bien, mais heureusement, tout le monde n'est pas autant à fond sur toi, sur Bayou, chez les main Bayou. Attention, ah! Steal the game, steal. Et aussi, il y a bah non, un mec, si Mofi gagne, il va faire reset, ça va être super long. Mec, si tu veux, je te fais montrer ce que dit Secrétaire depuis tout à l'heure. Hein. Tu vas le ban, hein, si tu regardes. Hein. Ah, mais Secrétaire, il est dans le chat. Bah oui. Ah, merde. Ouais, vas-y, allez, lis. Oh, attention, les problèmes. Ah oui, non, pardon, j'étais en mode Nibodax, il est en difficulté, mais non, il a encore une stock. Oh, autant pour moi. Non, ça kill pas. Non, comme le dirait Sucrome, il y a que sur YouTube hein, où ça kill. Hein. non, mais cette phrase est stylée, du coup, je me permets de la réutiliser. Mais non. Bah non. Non. En vrai, là, mon fils, il veut pas utiliser le buff direct, je pense. Non, il veut le garder pour le stock. Bah oui, il veut garder pour voler la game après, mais problème, c'est que là, il faut qu'il y arrive. Il faut qu'il, ouais. D'ailleurs, Bayou est tellement légère. Ok, là, c'est bon, là, c'est fini. D'ailleurs, Bayou est tellement légère qu'avec la moto, elle ne fait aucun dégât. Oui, parce que c'est l'heure de la petite leçon. La moto de Wario, quand tu la lances, elle a une puissance d'éjection qui varie en fonction du poids du personnage qui la lance. Du coup, c'est pour ça qu'avec Wario, elle est super forte, parce que Wario est lourd. Et si Bowser la balance, on t'explose. Hein. Mais si un Rondoudou la balance ou un Pichu la balance, bah déjà, il la balance tellement peu loin qu'il n'y a quasiment pas d'hitbox. Et si jamais ça touche, ça kill pas. Oh, le Bowser Junior de Secrétaire, let's go. Hein. Attends, Maziel, t'es sérieux? Tu me dis genre Bayou, ça triche. Maziel, Bayou. Oh! Bah en vrai t'as raison, mais... Bah ça triche de ouf Bayou! Bah déjà on peut avoir des smash gratuits, c'est déjà non, ça. Non, et là Maziel il va me dire, en fait c'est du second degré, nanana. Mais je ne comprends pas le second degré sur à l'écrit moi. Moi je ne comprends pas le langage que tu me parles. Du coup là what the fuck des ladders. Ouais, allez bah voilà, GG, shake my hand, voilà. Au revoir. En vrai je pense que. Ah oui d'accord, en fait je suis juste nul, j'avais pas compris le sens de la question. Je sais plus ce que c'est la DI, mais quand il a fait plein de paires, il aurait pu la DI d'une façon différente et il pouvait en sortir. Bah en fait il l'a fait, mais Nibodax a fait ce qu'on appelle suivre la DI. Ah ouais. C'est quelque chose de très très fort. Voilà, attendez, c'est pas fini, voilà. En fait, les deux persos, ils sont frustrants parce qu'en fait, oui. Le combo, c'est n'importe quoi. Oui. En fait, je t'explique, c'est un truc qu'on appelle des persos à combo. Ouais. La différence, c'est quoi? Mais non, il y a des persos à combo qui cassent les couilles, il y a des persos à combo... Genre Wario? Juste tranquille. Ouais, voilà, Bayonetta... Wario, c'est chiant. Ouais. Alors, Bayonetta, ça passe mieux parce que tu peux les SDI, alors que Wario, c'est déjà plus chiant. Après, comme je l'ai dit, si le joueur de Bayou s'est joué, il va suivre la DI. Hein. Ouais. Mais du coup, là, Nibo a pris la stock. D'ailleurs, c'est grâce à Nibodax que je sais que la up throw backer ses trous. Ah ouais? Oui, je le savais pas. Moi non plus. Il a fait le théorème de Phoenix Wright, ouais. Ah non. Non, il faut varier quand même. Il a le waft. Et non, il a bientôt le full waft. Ouais. Voilà. Voilà.
Voilà ce qui s'est passé, il a fait troll de dingues dans les airs, bah du coup au sol il avait du lag. Et bah oui, elle a des mix-up en fait. Oh la SDI down crucial de Mufi en mode si je fais pas cette SDI c'est mort. Ah. Oh non, il aurait pu. Ah, le Dunby qui va peut-être être fatal. Non, ça va, Nibodax a quand même réussi à s'échapper. Sur une petite interaction. Sur une petite interaction. Oh non. Là, sachez que la moindre erreur de Nibodax contre Mufi, c'est lose, mais bon. Disons que Bayo est très est à l'aise pour. Bon, voilà. Ah, là, formule A carré plus B carré, cosinus plus tangente, tout ce que tu veux. Je pense qu'on va repartir sur le PS2. Okay. Aïe. Ah, quel perso Pour SDI, c'est. Ben, en général, ouais, mais. Le problème, c'est que si tu le fais tout le temps, la Bayo, elle peut s'adapter. Bon, après, c'est pas comme Smash 4 où. Où c'était vraiment abusé, mais. Un bon joueur de Bayo peut s'adapter, quoi. Du coup, quatrième game, hein. Un peu. Du coup, là, c'est Nibodax qui a le lead, et si Nibodax gagne, c'est fini, hein. Du coup, il a fait son meilleur run. Oh, ça commence. Ça okay. Commence bien. Franchement, si le Hubby aurait touché, c'était peut-être la stock. Hein. Oh, peut-être pas. Voilà. Mufi, il s'est SDI, donc. Il aurait pu suivre la DI. Si tu te prends à, le fer de Bayonetta dans les airs, SDI ou pas, tu vas tout faire. Oui, c'est vrai, il fait fer 1-2. Genre, il fait. Et ensuite, il fait fer 1-2-3. Bah, il bagarre, quoi. Hein. Ok, ah, attention. Théorème. Oh, la bonne SDI down là. Théorème de singerie. Ah, le jump il a raté, c'est dommage. C'est dommage pour Nibo, mais c'est très bien pour Mufi. Voilà, c'est bon, Mufi il peut. En vrai, je me demande s'il aurait pas pu faire une meilleure finish. Ah, il y avait le F-Smash là, monsieur. Hein. Là, le F-Smash était donné. Hein. Vous jouez avec la nourriture, monsieur Mufi. Hein. Ah, let's go. Ok, le nerf. Voilà le back. Et je me dis, mais en fait, heureusement qu'on a une Bayo à l'île, parce que sinon on serait perdu avec Nibodax. Bah, la preuve que non, ça change pas grand chose quoi. Oui, mais ça. Allez, le gros. Pardon, le up smash qui n'a pas kill. Pardon. Moi, je pensais qu'on. Moi, quand les mecs à une Bayo, ils me disaient que le perso était léger, je me dis, bah ouais. Bon. Il lui a mis un gros claco là. Et c'est vrai que c'est léger, ouais. Et Wario c'est quand même plutôt lourd. Bah Wario c'est honteux, avoir une telle mobilité et être un perso lourd, c'est honteux. Bon du coup là, ça sent que ça... Oh allez, théorème de la banane, voilà, la stock est pris. Il lui a fait fraction plus soustraction, B carré au... Là c'est even, c'est au carré, even, voilà. C'est even. Non, il a pas encore le full waft, donc c'est pas encore even. Par contre, Nibodax, il kiffe trop faire ça. Tu sais, le mid-waft, en fait, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, le mid-waft, en fait, toutes les 5 secondes, il gagne en puissance. Je sais. En fait, là, tu m'expliques. Et donc, en fait, au dernier stack du mid-waft, il est aussi puissant que le full-waft, à peu près. Ah, juste un petit peu moins. Oui, mais en fait, tu m'expliques un truc que je sais déjà, en fait. Ah oui. Mais genre, au dernier stack du mid-waft, c'est poubelle. Il a fait poubelle. Non. En vrai, j'y ai cru. J'ai cru que ça allait prendre la stock. Voilà, du coup, là j'avoue que pour Mufi, si comeback, vraiment je veux bien lui donner la moitié de la thune que j'ai eu. Non, je vais pas faire d'école comme ça. Non. Non, c'est pas vrai. Let's go. Non. Let's go. Non, je veux ma thune, arrêtez. Let's go. Vas-y. Vous avez pas entendu ce que j'ai dit Oh, il a essayé le. Oh. Mais non. Hey, t'imagines, il lui met, franchement. Let's go! Let's go! Je n'ai pas fini ma phrase de tout à l'heure, ça ne compte pas. Je garde la moitié de l'argent que j'ai gagné au Star KO, ok? Je n'ai pas fini ma phrase, je ne donne rien. Ouais, on finit ça. Je finis tout le truc et. Ouais, tout le truc, non? Crois-moi que si reset, t'es là encore pour un petit moment, hein. Y'a une game à finir. Bah si c'est Mufi qui gagne, non. Ah, Mufi qui sent mieux déjà. Mufi non, moi je garde ma thune là. Ce sera ma thune pour les tournois à venir, comme ça je ferai des économies. Ah, t'as gagné combien d'argent à Amir? 130. Non. Si. Ah ouais? T'as fini combien de Troisième.
Ah ouais? C'est une Monthly, hein? Eh, 130! 130 euros, putain! Ah, la thune, hein? Ah, mais. En deuxième, c'était. Qui? En deuxième, voilà. C'était qui au Starfield? C'était Raffro. Et en premier. C'est Echo. Voilà. Moi, je pensais que ça allait faire Raffro premier, deuxième Echo, troisième Néo. Bah, Néo, il était pas inscrit donc. Ah, il était pas inscrit, Néo? Non, comme il travaillait, il était pas sûr de venir, mais bon. Tu me fais changer de sujet là. Oui d'ailleurs exactement GG. GG à Echo. Bah GG à toi. Bon là là on sent que Nibo il a du mal à reprendre le contrôle du stage. Oh. Ah. Privilège. Non mais ça revient à Bayo hein. Ok j'ai rien dit. Non mais j'en ai marre c'est à chaque fois. C'est parce qu'il s'est cogné. J'en ai marre. Que si l'inverse à chaque fois que je dis un truc, l'inverse arrive. En fait les gars c'est pour ça que depuis tout à l'heure je tiens Nibo. Parce que dès que je dis un truc, l'inverse arrive. Du coup c'est Mofi qui va gagner. Et... Ah je suis étonné, je m'attendais à genre un air Beyblade. Ah. Franchement des fois quand je vois Nibo Dax il fait des trucs stylés et des fois j'ai l'impression qu'il joue tout seul et qu'il te met à. Et qu'il fait le fail tout seul en faisant le counter. Là, voilà bah qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Il lui a pété dessus. Bah, je pense qu'on va avoir le reset. Moi je pense que s'il y a un reset, toi tu ne continueras pas si. Parce que tu vas. D'accord, je vais dire que t'as dit à ton frère qu'il était rincé. Et bah du coup Nibo là qui reprend la stock mais bon. Bah, là ça peut se passer en un claco. Hein. Ouais tu sais moi j'ai vu un petit waf de Wario, ça veut dire que là ça charge toujours. Attends jab ouais c'est bon. Hein. Oh là. Peut-être le reset. Moi Sally, je vois que tu veux faire du commentateur curse comme moi hein, pour inverser le truc sauf que y a que moi qui marche avec le commentateur curse. Là il a mis une waf. Donc là il a. Ah ça a foiré. Non c'est bon, il a upbi du coup il a encore 15 000 options. Ah. Il est là, il y a toute la team qui chie en Nibo Dax. La team BE, la team Barogic. Un secrétaire. La team BE and secrétaire. Ah il aurait dû faire sa meilleure claque là. Et Il est pas mort. Il fait trop hein. Ouais mais bon là ça va être très compliqué hein. Bayo c'est ce qu'on appelle dans le jargon une petite plume. Oh putain. Ah ancien DLC privilège. Ah, bah... Bayo sur Smash 4 c'était un DLC ou quoi? Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit ancien DLC privilège. Oh la claque. Oh il a touché son petit pied. La reset. Yes, let's go. Merci pour le temps des BOD les gars. Secrétaire qui dit Nibo gagne ça. Ah Echo il a écrit dans le chat ce que je pensais un peu ouais. Echo il est trop ouais en fait c'est ça le problème de Nibo Dax, c'est genre des fois t'as l'impression il joue tout seul. Bah là c'est le reset en fait. Ouais non mais il vient rien. Un peu genre quelques games. Une game. Non team, on la connaît le une game. En plus tout à l'heure il a dit que t'étais éclaté, il a dit non. Que t'étais nul. Voilà, c'est comme ça qu'on crée le Zbul facilement. Bon bah moi j'espère que ça... Du coup maintenant j'espère que comme c'est le reset, va y avoir un 3-0 soit d'un côté soit de l'autre. Hein. Je m'en fous duquel, hein. Je veux que ça se fasse. Excusez-moi. Oh. Ah, une formule... une très belle formule, ouais. C'était genre très original, j'aime bien, il y a de l'idée. Il lui a dit mais bah voilà il revient pas en fait. Il a plus de saut, il a plus la moto, il revient pas. Clap, il a cassé la moto. Ah le classico, je mange les roues pour faire en sorte que le WAF vienne encore plus vite. Attention là, Wario offstage. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut jamais offstage contre Bayo, c'est toujours terrifiant. Quand tu joues contre Bayo, faut les trois quarts du temps jouer au sol. Et là pour l'instant ça reste compliqué pour notre cher petit Mofi franco-français national. Qu'est-ce que je raconte? J'en sais rien du tout.
Ah, le backer, oui. Ah, c'est un summer spot, c'est original. Ah bah là c'est bon, ça remonte pas. Ouais, non, c'est ce qui me semblait. J'ai envie de dire, c'est dommage, Nibodax aurait dû faire ça à la game d'avant, mais voilà. Ah, moi j'aime bien, j'aime beaucoup regarder le chat avec Sally second degré et secrétaire premier degré. Hein. Oh là 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 là. Ah la grosse claque, voilà, Mufi il a compris que quand une Bayo ça veut revenir, tu peux la punir 15 000 fois. Non c'est pas vrai, vous savez pas. Voilà. Moi je vois une game avec des Wario qui font des clap clap clap. Ah, Nibodax lui reste du coup qu'une seule stock. Voilà. Regardez, vous avez vu, tout le monde dit comme moi ici. Oh, regarde, c'est Yvonne. il a le waft. Si, vous avez tous dit ça. Je suis en train de leur faire comprendre que mon opinion en tant que caster est supérieure. Ok. Arnaud nous a dit ASMR, voilà. Non. Ah, ok, si. Ok, très bien. Ça ne marche pas que sur YouTube, a priori. Bah écoutez, let's go hein. Du coup bah je suppose que les personnages seront les mêmes. J'ai détourné le regard du coup, je n'ai pas vu c'était quelle map. My bad. J'adore les gens, première fois sur le chat, le message, faut que Wario claque les fesses de Bayo plus fort. Très bizarre, hein. Mais bon, bref. Du coup, bah là, c'est Nibo qui a l'ascendant dans ce game. Qui met des bonnes bastos. Ah, il a failli. Vraiment, il veut chercher. Mais Bayo, c'est fou, hein. Genre, si tu fais une mauvaise DI, tu prends la sauce, hein. Définition du mot la sauce, voilà. Voilà, vous voyez, les ladder combos, ça existe toujours, hein. Hein, ça va avoir par le même truc encore et encore. Oui, mais genre vraiment, hein. Et Nibo se fait punir sur les mêmes choses aussi. Bah, écoute, Echo, tu crois que je dis des conneries, pourquoi peut-être? Parce que si je commente la game comme je la vois, en fait, je ne fais que répéter ce que je raconte depuis tout à l'heure. Regarde. Là, ça kiffe faire des ladders avec Bayonetta. Regarde, là, Mufi, il est au pourcent, il est bientôt au pourcent que je vais appeler le pourcent bait. Le pourcentage bait, c'est quand il va être à peu près, bah là, ces pourcentages-là. Nibo, il va faire des phases aériennes, et s'il voit Mufi en dessous, à un moment, il va faire un down B. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, oh bah t'es encore mort. C'est toi, Bilbol, qui dit ça? Il m'a rassuré, il m'a pas répondu, yes. Mais par contre, vraiment, blague à part, là, Nibodax, il est en train de dérouler, hein. À mon avis, c'est bon. Là, l'impression que j'ai, c'est Nibodax, il a trouvé le filon, entre guillemets. Il s'est rendu compte que Mufi... Ah ouais, c'est sympa la moto. Il s'est rendu compte de ce que faisait Mufi, et du coup, là, il y joue encore. Ah, là, j'avais dit quoi? Les 10%, Non, en vrai, là, c'était pas encore les pourcents, mais... Ah, quoique, si, un petit peu. Mais genre, voilà, les fameuses phases dans les airs et tout, j'atterris avec un... Ah ouais, et la stock a failli être pris en 10 secondes, hein. Franchement, je sais pas si c'est une game de Smash ou si c'est un speedrun par moment, hein. Allez, voilà. Ah, il est où, le up smash? Il est où, le up smash? S'il remonte pas, c'est honteux. Ouais, moi, j'aime bien dire mes petites phrases... Pas pitié les hannetons. Enfin bref. Du coup Ouais non mais là du coup c'est compliqué pour Mufi mais il abandonne pas pour autant. Hein. Excusez-moi, je baille comme si c'était un Ditto Sonic. Et là. Là il faut que Nibodax se ressaisisse parce que la moindre erreur peut être fatale. Hein. Bah après si bon ok. Tout ça pour ça hein. Je suis désolé, mais tout ça pour ça, hein. Genre un vieux nerf. Hein.
Et les gars, j'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, faites en sorte que la personne qui joue fait un 3-0. Hein. Je crois que je viens de call accidentellement. Et pour une fois, c'est pas cursed, hein, parce que ça a l'air d'être canon, hein, ce que je viens de dire. Hein. Allez, troisième et peut-être dernière game, nous verrons bien. Pardon, excusez-moi. Tu as curse maintenant. Non, mais c'est trop ça, hein. Moi je curse malgré moi. Hein. En fait, à force de curse, il fallait qu'un jour je ne curse pas. Hein. C'est pour ça. Hein. Du coup, là, le neutral en mode. J'interagis, mais pas trop quoi. Bah voilà, voilà. Ils ont tous les deux décidé de pas interagir. D'accord, d'accord, la game Sonic Pac-Man, let's go. Voilà, c'est bon, ils ont décidé d'interagir. Et ça jouait en faveur de Nibodax pour le moment. Et ouais, et pas qu'un peu, étant donné que bah, du coup, Nibodax, il gratte les pourcentages. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, là, c'est compliqué hein, pour Mofi qui jongle de désavantages d'un côté à désavantages de l'autre. Hein. Voilà, c'est bon, Mofi a trouvé l'endroit où il fallait taper, du coup il a rattrapé son tard en 2 secondes, littéralement. Ah mais j'ai l'impression que ça flotte avec Bayonetta. Ça m'a vu, niveau d'action en mode, oh mince, don't be. Oh là là. Ah, Mofi a vu la roll, il a fait son gros up smash là. Excusez-moi, je baille encore une fois. Ça en dit long sur la nature de la game. Bon, je plaisante. Ah là, c'est Sour Spot. Très bonne DI de Mofi sur la up throw. Ça va pas connect. Allez, on rate. Ah bah là, c'est bon. Voilà, là c'est ça. Oui. Il s'est envolé comme un petit nuage. Quand tu fais un café, tu vois le nuage, il disparaît petit à petit. Bah c'était ce qui vient de se passer là. Ah là là, le Don B Nibodax là, Mofi l'a vu, il est en mode et ah ouais. Ah ouais, un waft en réaction comme ça, c'est pas mal. Après c'est pas mal, bah du coup ça a pris la stock. Hein. Du coup bah là c'est bel et bien deux stocks contre une. Voilà, là, c'est juste maintenant il n'y a plus les bugs d'affichage. Bébé. Ah, ladder, c'est bon. Nibodax, be like, j'aime pas être en retard. Mais du coup là le problème c'est que bah Mofi il a plus trop le waft hein. Du coup ça peut être très très gênant hein. Après ça dépend de comment vont jouer nos deux joueurs. Là ça clappe bien pour Mofi. Ah dommage il a raté. Je sens que Pulga est à deux doigts de taper Mofi hein. Là attention parce que la moindre erreur en fait là dans ce cas là c'est l'erreur de Mofi peut être très fatale. Là où là Nibodax c'est moins le cas. Il faut que Nibodax soit un peu plus agressif parce que plus il attend plus le waft se charge. Et plus le waft se charge plus les problèmes. Là à l'aider il a posé une échelle là. Attention. Là on voit vraiment que Nibodax veut en finir hein. Là on voit le petit bidon de Wario qui sort. Ça veut dire que le waft est bien chargé. Comme BIOS est légère et que là Wario a la rage. Attention. Ça peut mal finir hein. Ça peut être les problèmes hein. Ah ça sent les problèmes. Non ça va, très bonne SDI de Mofi. Ah oh, ok. Très bien. C'est bah écoutez. Ça a fini en pied-bouche. Voilà bah